Samedi 2 octobre 2021, bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue ou sur TV Lakay, nous comptons avec vous après-midi en là, donc pour une petite vidéo de formation ça pour vous, comme d'habitude, j'en que nous toujours faire chaque jour, bon Dieu mette, et nous pas jamais, et bien suspendre, remercier tout ce là jusqu'à présent qui était connecté sur TV Lakay, Abdou, merci pour fidélité ou à confiance, merci pour choix que vous faites de nous, merci tout parce que, eh bien, vous toujours là à supporter nous et nous vraiment fiers de vous. Et nous demandons, même qui nous voit sur le canal, ça qui peut vous abonner avec nous, pas hésiter à faire ça, c'est un grand moyen pour aider nous et comme ça nous même tout. Nous sommes toujours là pour nous informer. L'ancienne première dame Martine Moïse, entrée dans le pays hier, qui était 1er octobre 2021. Eh bien, il était pour venir répondre à question juge Aurélien dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous parlons invité autant de déclarations. Et puis, il y a le colonel Himmler Rebu qui lui-même, eh bien, bah, diverses tactiques là. Pour comment eh ben la police t'a fait application et fini avec question insécurité à bandit qui a taillé ou zé qui a pas fait ça ou vle dans pays ça. Nous parlons vite au tout détail ça ou même qui nouveau je nous dis là pas oublier abonner avec canal là si vous faire ça, partager vidéo à commenter surtout quitter un j'aime n'a tourné dans prochaine vidéo. Je retourne parce que faut mal passer une minute de recueillement sous ton président. Faut mal nous font parler pour nous regarder comment le pays a été la tête en bas qui s'est fait. Je retourne parce que je me sens que je suis manqué pour accueillir que je fais. Je m'excuse auprès de vous parce que voilà, je suis prévu pour 10 heures depuis le matin. Mais malheureusement, avec des petits problèmes, c'est pour l'âme de nous vivre. Grand pile monde qui va arrêter malheureusement y aller, mais grand pile monde tout le temps qui va prendre de yoa. Ma excuse auprès de monde qui va aller ou qui va arrêter. Mais comprendre ça, mais faut reconnaître que dans le département, ma retourne parce que couleur vient plus temps. Faut venir parler avec eux, faut venir manger avec eux, faut venir dormir avec eux. Parce que le programme que nous avons fait, ma pour commencer à faire à travers la fondation, ça veut dire aider les gens à planter café, aider les gens à planter cacao. Côté bien de l'eau qui a usé, aider avec du riz, maïs, pois. Parce que si pas bien manger, grand pile l'autre bagarre qui pas qu'à faire. Donc moi là, moi retourner moi vin travail et moi content de l'accueil que me joigne, m'espérer que même si combat a continué, combat difficile, mais bagarre yo n'a qu'à faire yo parce que j'en paye à yal, j'en peuple à yal pas qu'à aller comme ça, faut que bagarre yo change. Merci. À quel sentiment vous vivez ici au Cap-Haïtien, tout dans la c'est première question, ça c'est lui-même qui a premier répondre. Moi, je suis content que je retourne parce que la caille, c'est la caille. Mais pas de carré de encore. Merci pour l'invitation, Jean-Bou. Je salue tout le panel là. Et je salue tout le monde à travers le monde qui a écouté. Nous souhaitons passer un moment productif matin ensemble. Correct. Alors, la grande question, c'est pas qui ça pour nous commencer. Est-ce que c'est visite délégation hein? Est-ce que c'est Colotex ou Atou qui a parlé de compétences là? Nous avons besoin de chercher au l'autre bord pour résoudre le problème qui vient là, j'en ai aujourd'hui. Hein? Et puis, on dit dans le texte là que nous avons la guerre est déjà longtemps déjà. Bon, tout donné, la vivio, ce sont des données de guerre. La stratégie globale qui est utilisée d'abord, dans la méthode et dans les moyens. Stratégie globale, là, par exemple, où font étude géographique sur le plan physique de ça, nous vivons là, nous vivons un pile moment de diversion qui amène à un capital assiégé. Là, on prend un contour capital haïtien, non? Qui prennent essence dans Piémont des enfants perdus, dans Pointe Bonne-Chacha, en bas du mai, qui descendent Galette, Wolf Blanche, qui passent la Féonée, qui virent et descendent dans Axe qui mène vers le. Qui prend quoi des bouquets,
donc qui couvre axe qui mène vers le plateau central, qui descend, qui prend Pointe Canard, qui descend sur route nationale là, qui rejoint par la route 9 Cité Soleil, donc qui bloque l'axe venant, les axes venant du nord. On vit auprès tout littoral là, jusqu'à ce qu'on descende Matissan, qui verrouille axe menant vers le Grand Sud. Donc, ou non capital qui encerclé. Ça, ça va comme sortir dans l'intelligence, on est un grand bandit, on est qui bandit, qui détraqué, qui a fait des ordres. L'opre, ça y est qu'on est en matière de sacré l'onzam, qui j'en pour kembe onzam en vie et fonctionnel pendant longtemps. C'est pas un grand bandit qui cap connaît qui vient pour démonter un Kalachnikov, pour le nettoyer, pour l'huiler, pour l'entretenir, pour le protéger de la poussière. S'il a vu son littoral côté l'effluence de la mer pour le protéger de la corrosion, c'est pas l'œuvre d'un aigle qui a 9 mm, 11 âmes dans la mer. C'est l'œuvre de quelqu'un qui est capable de venir. Le fin tranché, il est camouflé. Pour servant qui a conduit, il n'y a pas rendu compte qu'il a marché vers un piège. Et puis pour le tomber là-dedans, il n'y a pas sorti. C'est pas qu'il apprend dans l'art militaire. C'est un génie militaire qui apprend ça. Comment pour préparer un tranché? Comment pour camoufler de façon pour éliminer l'adversaire à coincer là-dedans? Ça ne peut pas être l'œuvre d'un bonhomme qui n'est qu'un simple bandit. L'opre qu'on y a, l'offre prend mouvement d'encerclement ça. On prend une série de mouvements sporadiques allant vers l'intérieur de la ville. Parce que l'encerclement, qui opération li d'abord? Son opération d'asphyxie li. Li bloquer la circulation des personnes, mais elle bloque également la circulation des biens. Li empêcher que un monde qui produit yam patate malanga de la grande escap convoye le vini vers la capitale, lui empêcher le rivé. Parce que la guerre, toujours, c'est appendice yon action économique. Parce que c'est pression, situation économique, ça pral fait sous population, qui pral mette moun kap dirige nos situations inconfortables, kote yam gen pou yon répondre à population à deux bagailles pour lesquelles yon pas capable. Maintenant, tout ceci se fait sous la couverture de ça nourrir les banditisme. Quand tu prends le kidnapping, qui est une industrie extrêmement florissante en matière de production d'argent. Mais l'argent, c'est un bagage qui est dynamique. Li. Ou songez système Mendo, les. César n'importe où, température changée. L'homme a gagné l'argent. Ou une certaine forme d'angoisse. Ça, le départ d'Oubi, qui est vraiment. Très certainement. Qui a une certaine forme d'angoisse, qui a levé une certaine forme de tristesse. S'il prolonge le capable de rentrer dans le désespoir, et certains désespoirs, des fois, amènent jusqu'au suicide. Tout comme l'homme a gagné l'argent dans le poche. C'est l'offre de faire une série d'actions après nous. On même pas besoin de dépenser ça, c'est pas nécessaire. Parce que l'argent est propre. L'argent est propre, dynamique, pas. On vit sortir, on vit acheter belle chemise, on vit acheter belle souliers, on vit voir fleurs, on vit faire tout bagaille. C'est pas où qu'on agit, c'est l'argent qu'on agit. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que dans l'espace de bidonville, côté presque tout le monde a vécu à la limite de la vie, et puis il y a $300,000 américains. Qui rentre pour kidnapping d'espace ça. Est-ce que sociologiquement, il y a moyen pour $300,000 à dormir dans bidonville ça, jour soir, pas oublier Sylvette? Ou imaginez toute infrastructure de sécurité ou bien insécurité mentale que moun qui gagne $300,000 à nommer après durer jour soir comme ça là. C'est pas possible. Donc, comme là, forcément convoyé de l'autre côté. Ceci pour dire quoi que nous sommes devant quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple question de banditisme. Banditisme, dans l'expression quotidienne, c'est un moyen de pression pour qu'il y ait l'esprit tout le monde occupé, pour porter tout le monde réfléchir sur un aspect de la question et pas approfondir l'autre aspect essentiel. Parce que, en posant l'autre question,
Nèg kal fè zak nan la ria son motosiklèt, de bon fusil nan men, li gen jwen. Mais s'il pa gen katouche, son bout de bal gen nan men. Mais le ki mécanisme il met en place pour ka bouvé jwen katouche de manière régulière. Donc si nous pas poser pour réfléchir bien, yo kap pran l'esprit nou voye al kouri de 2-3 grenn nèg kap tire nan la ria alors que vrai problème nan li la tout. Mais racine côté le sauté à sous par la den ou à courir toute la journée jusqu'à ce bouquet. Donc moi-même moi crois que j'ai un devoir de réflexion. Par exemple moi vivre une très grande souffrance comme monde qui un petit peu informé sous question ça, bien que me connais la sécurité c'est comme la médecine. Son bagay m'pa je vous dis m'a essayer approcher question sécurité, me penser m'ka chita faire pour comme Fomre le Yuri, Fomre le côté Mario André Solier, Fomre le côté original Delvaye, Fomre le côté James Boyaye. Parce que c'est un bagage qui est tellement complexe, qui demande une infrastructure globale de pensée pour approcher. Maintenant, le par exemple, moi, tende, réalité nous fait que le monde qui chef jodi, c'est un monde qui premier ministre, un monde qui ministre de la justice, un monde qui ministre de l'intérieur et puis monde qui commandant chef la police là avec assistant qui non CSPN. C'est ça really, l'infrastructure de pensée stratégique sur la question de la sécurité. Mais nous allons poser question, combien monde dans monde secret union qui a une capacité pour comprendre de qui ça parle, combien monde le par exemple chef de la police ça font proposition d'opération. Qui moun ki gen capacité pour évaluer ça le dia? Parce que l'organisation de la guerre n'est pas faite autour d'individus, elle est faite autour de structures. C'est ça fait généralement ou gen yon état-major. Dans l'état-major, ou gen moun ki commande un chef là, c'est lui-même qui a dit gros problème faut solutionner, mais il pas pote solution. Li mande moun ki responsable section 1 hein? Qui ça nous gagne comme personnel et qui est ta morale personnelle ça qui je n'ai pas utilisé qu'on y a mon responsable section 3 pour dit morale n'est pas bon, morale n'est pas en forme, yo entraîné, yo équipé, yo fait entraînement spécifique et spécialisé, yo en nombre suffisant. Maintenant librement des nèg responsable section 2 quel est l'état des renseignements, quels ont été les rapports d'intelligence et comment avez-vous joué dans le système de contre-intelligence? Parce que blague à son jouet lié, même Jean ou est bandit à l'aise, il a fait quoi? Bah, lever là, le fait quoi comme ça? Les vérifier infrastructure organisationnelle urbaine de la sécurité, les vérifier pendant combien de temps, côté point fiction, qui j'en patrouille ou combien de gens qui ont déploiement. Parce que les papes font ça là pour apprendre. Même j'aimerais, même le map monte opération, pas qu'à monter opération pour prendre l'opération tout. Parce que c'est moi qui monte opération. Faut monter à condition qui favorable pour moi. Mais les gens qui commandent un chef là, vraiment des gens qui respirent pour sa section 4 là. Oui, qui moyen logistique. Qui moyen logistique, les gars? Combien de temps m'a cap qui est sur le front? Qui j'en m'a alimenté les gars? Qui j'en m'a évacué les gars? Qui quantité de véhicules, hélicoptères, qui drone que m'a gagné? C'est lui-même qui prend le bayo. Maintenant, il vraiment des sections 5 là. Qui système de communication que nous allons utiliser pour gérer l'opération avant, pendant et après? Oui, il n'y a pas fuité. Donc, mais qui commande un chef là, il n'est pas capable de répondre lui-même à toutes questions. C'est pourquoi il y a un état-major. Maintenant, c'est l'ensemble de ces informations qui pourrait dire ok, nous avons capable d'entreprendre l'opération. Et nous allons reprendre l'opération, mais heure H, minute M, non, jour J. Mais je ne suis pas capable de faire opération et puis je fais opération pour me tomber courir des nègres. Parce que le premier travail, c'est la reconnaissance.
Deuxièmement, c'est la vérification des informations. Et ça nous apprend dans le métier à Yuri. Je suis obligé d'avoir un contact visuel avec la cible jusqu'à la minute de l'attaque. Je ne vais pas attaquer les gens pour me dire que pas de côté de l'attaque. Non, l'ordre d'opération, les 5 paragraphes. Ok? Donc, ça pour faire son bagage technique et l'universel. Que là en France, en Allemagne, aux États-Unis, ça nous dit là, c'est lui-même, c'est ça, il y a un SOP, un Standard Operation Procedure. Maintenant, c'est à partir de là, parce que les militaires ne font pas la guerre. J'aurais me dit dans le texte, et c'est Clémence qui te dit. La guerre est une chose trop importante pour la confier à des militaires. Parce que les conséquences de la guerre sont stratégiques au niveau national. Et ce sont des décisions politiques. Maintenant, la personne qui va prendre la décision finale. Là, par exemple, il dit que descend dans le village de Dieu, il y a deux, trois nègres qui rient, qui mourent. Ce n'est pas chef de la police, là, pour vous poser des questions. C'est mon qui président de la République, là, parce que l'opération n'est pas capable de monter. Sans engager responsabilité président pays qui est premier responsable de la sécurité nationale. Maintenant, qui est un pile monde dans l'espace ça, qui ne connaît pas sa affaire. En plus, qui ne connaît pas, parce que dans la vie, premier bagage pour connaître, c'est connaître ça ou pas connaître. C'est ça qui va le permettre de chercher. Qui dit savoir, ne pas savoir, est le plus grand des savoirs. C'est le plus grand des savoirs. Pour savoir, ce qui n'est pas savoir, c'est le pire des savoirs. Voilà. Donc, Kounia, c'est ça que fait. Organisation de l'État permet de gagner des assesseurs qui cap dit ah non, non, non. Par exemple, là où il y a fait les troupes américaines rentrer en Haïti. Ou quand qui est-ce qui détermine la nature opération? Ce sont les historiens du Pentagone. C'est pas les militaires, non? C'est un rapport qui m'a dit. Jusqu'à présent, au Pentagone, il a étudié les raisons qui font Haïti gagner la guerre de l'indépendance sur la France. Jusqu'à présent. Et ils rentrent dans même théorie. Pas dire que vous pensez que c'est même Mounsa ou nous gagnons une journée. Non, mais nous c'est un peuple qui généralement fait des bagailles inattendues. Oui. Dans le sens qu'on n'est pas capable de prendre. Donc, ou pas capable de prendre chance avec lui. Donc, ou pas sur l'autre, ou Sam Noun. Jimmy Carter avec Général Colin pour elle rentrer. Mais ils rentrent, ils négocient valise d'argent en main. Parce que les conclusions du rapport des historiens du Pentagone disent sur le plan historique, sur le plan sociologique, ou pas capable de prendre chance à le poser en action sous peuple sacré, le peuple haïtien. Si je pourrais faire pour nous, ben, ça. Yo pas je me comprenne. Yo pas je me comprenne que les bails nous, je nous gère, qui je nous fait gérer. Donc, yo préféré, c'est on entend qui fait pour rentrer en douceur, pour pas rentrer dans une situation belliqueuse. C'est même gens, les n'a pas avancé dans le débat, les m'a attendu République Dominicaine, qui dit la réunion, il y a blaga. Non, il y a balade. Mais on connaît pour balade. Ils ont embarrassé. Parce que la situation haïtienne météo a des difficultés économiques énormes. Ils ont besoin de résoudre le problème. Ça. Comme ils n'ont pas résoudre directement, ils ont cherché des alliés qui pourraient la force, mais on connaît. Le jour où tu as mis, ou pas, pour des raisons diplomatiques et historiques, bon, même face c'est diplomatique, là, mais historique, là, seulement. Yo connaît, bagay qui t'a fait l'unité de tout le monde qui n'est pas d'accord en Haïti, c'est mettre d'accord contre un soldat dominicain qui t'a entré en âme sur le territoire. Tu vois? Donc, maintenant, bagay nous gagne, yo effrayant, yo fait mal, yo pote nous en pile douleur. Mais solution par l'autre côté que parmi nous. Et Dieu merci, nous avons des gens, nous avons un pile de gens, nous même avons trois personnes qui ont des compétences pour aborder les problèmes qui sont là. Pour résoudre, nous avons des gens qui croient dans le marché, tuer les gens, etc. La guerre, c'est d'abord l'intelligence. D'abord, premier élément de la guerre, c'est la guerre psychologique. Donc, nous avons pile de choses qui sont faites dans ce qui est là, mais il se trouve que les gens qui ont la compétence ne sont peut-être pas aux places qu'il faut. Or, vous connaissez, quand vous avez analysé la position de qui en position, qui problème vous gagnez qui ne fait pas parler à vous qui connaissez. Parce que ce n'est pas toujours l'acteur politique en avant. C'est lui-même qui a décidé, c'est lui-même qui a joué, non?
les gens doivent juste son marionnette, gagner mon capturer ficelle lui, gagner bagarre lui connaît très bien pour le faire. Il dit ah mon cher, comprenez parce que ma pensée qu'on va si nous réunis là, yo mettez Mario, yo mettez Yuri, yo mettez autour de table, yo fait 10 techniciens américains entrer après 3 secondes nous tout après n'a pas les mêmes paroles donc une bagarre bail l'autre menti. Parce que nous une bagarre pouvoir pour modifier doctrine non, ni mode d'opération. Ce sont des bagailles universelles que oui. Et moi, ben de je vous dis, nous avons manqué moyens logistiques, nous avons manqué habitudes, parce que la guerre a beaucoup évolué. Donc, moyens technologiques qui sont énormes, nous avons pile jeunes pour nous recruter. Nous avons des bagailles, nous avons pas connu aujourd'hui, mais nous avons des jeunes qui manipulent, qui travaillent sous système et d'intelligence et sensorielle. Qui a plus potentialité là. Donc moi-même, moi analyser situation beaucoup moins qui est bien que triste. Sénateur. Oui. Et moi pense que colonel Rebut moins d'accord à développement là et sur la notion de la guerre totale. D'ailleurs, ça l'y développé à faut me dire moins terrelel banditisme d'État. Et sur le terrain, c'est l'encerclement. Mais il y a un but. Pour moi, banditisme d'État, c'est lié à la politique là, qui te oué, comment puis tu moi tout le monde assez souvent parlé de toute bagaille. Avec expert en tout. Avec un pile arrogance de bagaille que vous pas maîtrisé du tout. Monsieur Dill et son vérité permanente. Les techniciens de la guerre ne font pas la guerre. Ils n'ont pas l'autorité pour faire la guerre. Parce que les conséquences de la guerre sont sociales, donc sont politiques, parce qu'ils sont sociales et économiques. Et diplomatiques. Et la guerre n'a pas jamais fait. De pourtant, de un cartouche tiré ou mettre qu'on ait un mouvement économique derrière. Des cartouches là pour quoi son facteur économique. Y compris. Donc on a qui gon ba qui gien prix un prix sur lui il pas cap tirer un jouet. Soit elle a plein de tirer le désordre, c'est que gon moun qui encourage le faire ça et moun ça assume c'est moun qui va venir. Donc mais la première question à répondre c'est le positionnement politique. Tout vire où est moun politique a fait c'est que résoudre problème sécurité a poko intéressé yo. Parce qu'il y a des contraintes, ou bien politiques, ou bien internationales, des douilles qui disent pas résultat. Ou bien est-ce qu'il y a une continuité? Ou bien c'est une méthode pour qu'abriver, continuer à accaparer pouvoir politique. Là. Tout le mouvement, il y a qui a perdu l'argent, il y a qui a mouru, qui a vécu dans l'angoisse. C'est une série d'acteurs politiques qui estiment que c'est moyen ça pour neutraliser moun sa yo pour la voix capable libre pour monter à prendre pouvoir parce que notre tête yo pouvoir c'est matériser population ou bien son côté pour approvisionner tête en moyen économique pour aller bon baronne parce que tout moyen économique qui devient yo si nous devait être une ferme dans les organes qui t'a produisé on l'autre ferme qui t'a produit banane moun n'a de moi comme ça a produit un bagage qui là il mettait des moun travail type comme ça on pas capable de mettre là si on convoie vers l'étranger nous gagne des moun dans système économique financier gagne intérêt dans ça et gagne des moun l'autre bord qui a capté moyen ça qui intérêt dans ça donc problème n'est pas moun qui sur terrain. Problème non c'est intérêt ça au monde qui a besoin de munitions. Alors on dit que les États-Unis Homeland Security pas de capacité pour contrôler le mouvement des armes et des munitions sur le territoire américain. Ah mon cher, c'est pas infrastructure organisationnelle de l'État américain. On connaît ta cap quitter ça fait sans qu'elle pas estimer que son bagage qui rentre en dans stratégie globale. Par exemple ça que t'es bon moins plus l'homme parler de ça dans Texas qui était un détonateur moins le moins président Luis Abinader fait une non et puis moi qu'on nègre les tonton moi camper bon côté de pour une question Haïti ouais monsieur ça camper bon côté vous mettre connait bon l'argent qu'il a et bon l'argent pour faire bon l'argent pour le prendre et s'il veut moyen pour craser Haïti pour prendre comme là en fait et Clinton qui a tout intérêt parce que il a ses arrières gardés ici à côté chez
Et alors, on va la parole là. Non, pas c'est... Dis-moi là, très bien.